hôpitaux dits green, en pleine phase d'essai dans l'île Urumbe. Le projet Biomasse Biocarburant Urumbe, ou BBI, de la société Todi Green, encore à sa phase d'essai, intervient dans les communes de Sajkal et d'Indulav. En 8 mois, elle travaille sur une superficie de 2000 hectares. Le projet BBI, c'est, notons-le, consacré dans la culture de jatropha, de vétiver et de la moringa dans la région Urumbe, afin de produire du biocarburant et de la biomasse. Également la production de diverses autres cultures, comme nous sommes dans le système de la permaculture. Alors, le système de la permaculture, il implique que nous cultivons tout au long de l'année plusieurs sortes de cultures, à part le jatropha. Donc nous produisons essentiellement du vétiver et du géranium pour produire de l'huile essentielle. Nous produisons également des haricots et tous autres types de grains secs pour pouvoir, à terme, financer nous-mêmes le projet en son sein. Nous produisons également des plantes fourragères et des plantes et des cultures maraîchères, donc pour la population locale. Le BBI prévoit d'exploiter une superficie de 6800 hectares pour la culture de jatropha en 2013, pour finalement atteindre 100 000 hectares à compter de 2019. Le projet envisage ainsi une production annuelle de 500 000 tonnes de jatropha et 150 000 tonnes de moringa à compter de cette même année. Les produits seront écoulés sur le territoire national. Plus de 2000 ouvriers saisonniers et 170 employés permanents ont été mobilisés pour mener à bien ce projet.